comprenne l'année spéciale, l'année des élections générales et l'année des 50 ans du MMA. L'année 2018 fin terminée l'échec de la réforme électorale. Comme en 2000-2005, à cause du MSM et l'histoire, in désar condamne pour cela. Puisque la réforme électorale in échoué, pour bien un mini-amendement de la Constitution, comme en 2014, afin de permettre que les gens qui envie pose candidat sans déclaration de communauté, qu'un droit fait aller, comme réclamé par les Nations Unies, mais aussi sans qu'il y ait un nouveau recensement communal, comme réclamé par certains. Mais pour amener ça, mini-amendement, comme on tient en 2014, là, une majorité de 3/4 dans le Parlement nécessaire. Et nous vous rappelle qui Pravin Jagnauth diffère en 2014. C'est assez ridicule d'ailleurs, sa performance en 2014. Parce qu'il dit qu'il condamne l'amendement, le mini-amendement. Il dit qu'il condamne ce qui nous et le Parti travailliste nous y mettent dans ce mini-amendement-là. Mais finalement, une votée. Bon Dieu collègue, qui sont logiques. D'où la nécessité de préparer à l'amendement-là depuis maintenant. Pas attendre la dernière minute. Et dialogue avec l'opposition de façon à ce qu'il gagne sa 3/4 qui est nécessaire. Et lui demander que le gouvernement actuel, dont la voie de sortie, divine de l'avant, bonheur pour qu'il nous arrive à sa majorité de 3/4. Et si ça, le gouvernement actuel accroche, nous sommes capables de prévoir qu'il, comme en 1982, il vous paye bien bien cher. Mais entre-temps, Pouena le case met point le 15 janvier. Il est triste qu'il Pravin Jagnauth finisse Premier ministre alors qu'il se case peut dérouler devant le Privy Council. On ne peut pas être content d'en place, Pravin Jagnauth. Il est même honteux, étant donné que nous étions possibles. Qu'il y a un ruling from the bench le 15 janvier et qui jugement rendait plus tard. Me tenir à dénoncer une quelque chose dangereux et inacceptable. Une tentation d'un certain fatalisme politique. De deux façons. Comment dire? Corruption, coquin, abus, mais ça, il est dans la nature des choses, il est normal ça, il est bien bien dangereux ça. Et ça peut faire d'une façon bien bien insidieuse. Et deuxièmement, un fataliste qui Premier ministre l'île Maurice, mais il est bizarre de telle communauté, il est bizarre de tel groupe. Mais tout le monde qui compte dans notre pays, il est bizarre de dire non. Et l'un l'autre politique possible. Tout le monde pas pareil. Et c'est pourquoi ce soir, en votre présence, vous réconfirmé. Nous perdons la 3 dans l'élection générale, et même perdons tout seul dans l'élection générale. Et ça, pas pour changer. En même temps qu'il m'a dit à autres, ça, les lits pas pour changer. En même temps, le système électoral actuel, de même qu'il money politics, il jouait contre le MMM. C'est pourquoi nous demandons ce soir, nous visons détermination, volonté et courage. Et nous en allons. Côté la drogue aussi, un autre politique possible. Nous disons que vous avez business as usual. Usual, bla bla bla, de Pravin Jagnauth, en ce qui concerne le trafic. Donc, nous, MMM, qui est capable de sens. Côté financement d'un parti politique, MMM est toujours en faveur. Design une transparence. Mais, là, pour le moment, dans l'opinion publique, étant donné MSM sur les images, il y a une image de pourri. Moi, mon reading de la situation, c'est qu'il y a un amendement constitutionnel qui demande 3/4, le MMM proposé qui nous va faire rien. Nous en faveur, nous. Le MMM proposé qui nous reguette le financement de bande parti politique après
prochaines élections générales.